Chers abonnés, bonjour et bienvenue sur la Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés. On se retrouve tout de suite sur la page Mon Outil. On se retrouve donc sur la page Mon Outil. On va aller voir donc maintenant les statistiques du cheval avec son jockey. De nombreux abonnés nous ont demandé plus d'infos, donc on a créé cette section qui est, c'est vrai, hyper hyper importante. Donc on va avoir ici donc les courses totales. Donc les courses totales du cheval avec le jockey par lequel il est monté aujourd'hui. Donc il y a des chevaux qui, il y a forcément un cheval qui a été monté 59 fois par le même jockey, donc il doit le connaître par cœur. Si je mets donc minimum 30, on va avoir donc forcément un cheval qui a été monté 30 fois par le même jockey driver. J'insiste, comme je vous le dis tout le temps, les données sont mises à jour en temps réel et donc il y a forcément un cheval qui a 59 courses avec avec le jockey par lequel il est monté aujourd'hui. Donc on va rechercher cela. Voilà, on peut voir ici donc que le 3 dans la R4 C3, donc à Marseille Vivo, le 11, le 12 aussi, en minimum donc 30 courses entre le cheval et son jockey. On va donc regarder en dessous, donc victoire totale, donc c'est pareil. Si je mets minimum donc 5 victoires total, on voit donc uniquement les chevaux qui ont gagné au moins 5 fois ensemble. Donc évidemment, ils ressortent les autres, les mêmes chevaux que tout à l'heure, puisqu'ils ont beaucoup couru ensemble. Si je remonte, par exemple, pour la course du Quintet, hop, on voit qu'il n'y en a aucun. Donc si je diminue un petit peu et que je marque 2, voilà, on voit que 3, 5, 6, le jockey a l'habitude de monter et a gagné au moins 2 fois ce cheval, avec ce cheval, pardon. Donc le gain sur l'année en cours 2023, donc on voit qu'ici il est marqué 233 000 euros. Donc il y a forcément un couple jockey cheval qui ont minimum donc qui ont gagné 230 000 euros donc cette année. Si je mets minimum donc on va dire 75 000 euros de gain sur l'année en cours. Donc on voit que le 5 ici, donc dans le Quintet, donc c'est Ardouin qui monte donc ce cheval. Ils ont minimum donc ensemble 75 000 euros de gains cette année. Et ensuite, donc, on va avoir le taux de victoire sur l'année en cours, donc, du couple cheval-jockey ou cheval-driver pour l'attelé. Donc, si on met 50%, hop, voilà, on voit que ces chevaux, dès qu'ils sont montés par ce jockey, ils gagnent au moins une fois sur deux. Peut-être qu'ils ont que deux courses ensemble, ils ont gagné une fois. Peut-être qu'ils ont fait 10 courses ensemble, ils ont gagné 5 fois. Mais voilà, en tout cas, 50% du temps, dès qu'ils sont montés par ce jockey, ils gagnent. Et on va avoir donc la même donnée en taux de placé sur l'année en cours. Donc si je mets aussi 50%, il va donc nous rester tous ces chevaux. Donc minimum une fois sur deux, quand ils sont montés par ce jockey ou ce driver, ils sont placés donc dans les 3 premiers. Si vous voulez uniquement donc qu'il ne reste que les 3 derniers, vous avez juste à avancer un petit peu et attendre que encore un cheval s'enlève. Voilà, ici il nous reste 6, 8, 15, 16. Hop, peut-être que c'est 100% du temps en fait. Voilà, quand on voit que, ah ben voilà, plus de 90% du temps, on voit que le 8, le 15 et le 16 sont placés sur l'année 2023 quand le cheval est monté par ce jockey. Donc voilà pour la section donc statistique du cheval avec son jockey ou driver, qui est une section hyper hyper importante pour connaître l'entente entre le cheval et celui qui le monte. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.